Bonsoir, qu'au 243, le privilège ce soir de recevoir un grand chef coutumier, car il est important que nous puissions parler de la situation de la République démocratique du Congo avec les représentants officiels du pouvoir dans ce pays-là. C'est pour cela que ce soir nous recevons le grand chef, qui est également le secrétaire général des chefs coutumiers de la RDC, en la personne du grand chef Fumou Difima Bols, qui est le grand chef coutumier de Tampa. Kimwenza et Nsabuka, qui sont situés à Kinshasa et dans le Bas-Congo, en RDC. Grand chef, bonsoir. Bonsoir, Kabanga. Comment ça va Ça va, nous sommes là. Tout le plaisir est de vous retrouver, vous tous ici, dans cette terre américaine, cette terre de l'image mondiale, cette terre de l'enseignement du village planétaire. Cette terre où nous retrouvons non seulement vous qui revenez au pays quand vous voulez, vous qui euh, passez de temps en temps visiter cette terre, mais aussi ceux qui vous ont précédé, qui forment aujourd'hui cette génération américaine, qui, euh, comme je vous le dirais, reste nos enfants, nos fils et filles, pas parce qu'ils ont été esclaves, mais parce qu'ils ont été enlevés, vendus sans leur propre volonté, comme je dirais plutôt victimes d'enlèvement, mais qui, avec les années, qui, avec euh, cette cour de l'histoire, sont devenus une nouvelle génération de Nations Unies d'Amérique, appelée aujourd'hui États-Unis d'Amérique, mais dont la souche africaine continue d'apparaître, comme euh, de même qu'apparaissent la souche indienne. Ses euh, natifs et que tout explorateur avec ses victimes d'enlèvement avait retrouvé euh, aussi la descendance de tous ces aventuriers euh, explorateurs à la recherche du monde qui eux aussi ont aussi laissé leur descendance ici une descendance aujourd'hui mais les mélangée qui devient euh, la descendance américaine donc c'est un plaisir pour moi de vous retrouver vous les derniers qui exploraient encore les États-Unis mais aussi eux ce qui avait été enlevé victime à l'époque et qui constitue aujourd'hui les socles de cette nation américaine. En tant que chef coutumier, euh, avant que nous parle à RDC, à la tête de ce pays, aux États-Unis, se trouve un, un ressortissant, un Africain, comme vous le dites. Euh, quelle lecture faites-vous Le monde a été surpris il y a quelques années en arrière, alors que personne ne, prévois, ne, pré, ne prévoyait, rien ne présageait à la tête de cet immense pays, un noir puisse être président. Euh, je crois que ça étonnerait beaucoup plus plutôt euh, si effectivement nous étions encore à cette époque, l'époque du western américain. Parce que j'étais en train de dire qu'il ne faut pas oublier que, le, euh, comme euh, à l'image de Diego Kao qui avait découvert la, le Congo, qui a eu cet échange avec euh, Kouvo, qui a retrouvé un grand royaume, dit euh, royaume Congo, euh, avec lequel ils ont même fait échange d'ambassadeurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que Diego Cao a dû ramener, et au Portugal, et en Espagne, et à Rome, des délégués qui sont venus, de délégués du roi Zengankovu. Et dans cet esprit bilatéral d'échange, euh, je ne veux pas aller jusqu'à rejoindre 1885, où ils vont se permettre de partager l'Afrique. Mmh. Avec euh, la conférence de Berlin, c'est passé d'abord avant tout cette hospitalité euh, africaine, cette hospitalité bantoue, qui voulait qu'on puisse toujours accueillir quelqu'un, Et échanger avec lui. Mmh. Et euh, ces gens ont pu quand même aussi demander qu'on puisse leur donner euh, du main-d'œuvre, de, 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 du personnel qui devait les aider dans la continuation de leur mission. Euh, le comble, c'est que quand ils sont sortis avec ces gens, c'est en cours de route qui vont commencer à les retourner en, en esclaves, en les vendant à gauche et à droite. Et ceux qui étaient spécialistes de ces, de ces commerces, c'était d'ailleurs les Arabes, les mêmes qui ont vendu les Blancs vers l'Afrique. Parce que mm -hmm. parfois les gens, quand Oublie. ils aiment bien lire les écrits euh, bibliques, Biblique. ils aiment bien dire, oui, oui, les Juifs ont été en esclavagisme euh, en Afrique. Mm -hmm. Mais ils ignorent aussi que, en fait, les, les commerces d'esclaves se faisaient depuis l'époque où le même Arabe a acheté les Blancs pour aller les vendre. Aux Égyptiens, c'est Africain qui avait des grands royaumes et des grandes œuvres à présenter au monde, qui était mm -hmm. d'ailleurs la base de la mathématique et de la physique, qu'aujourd'hui l'Occident s'en orgueille. Mm -hmm. Mais la base est d'abord euh, africaine. Mm -hmm. euh, c'est de cette même manière euh, que Christophe Colomb, qui a aussi découvert l'Amérique, qui a, de, de, sa, de, de sa découverte, va prendre aussi avec lui tous ces gens qu'on a pour amener vers l'Amérique. Donc, je dis l'Amérique du western de l'époque où l'homme noir, où la main-d'œuvre noire était utilisée plus pour les travaux et pour bloquer un peu le, le natif indien, mm -hmm. euh, cette génération a disparu. Oui. La génération de l'aventure western a, Il disparu. a disparu. Même s'il y a ce réflexe de résistance, de vouloir chercher le, la suprématie sur l'autre génération ou sur l'autre race, ça euh, tend à disparaître. Pourquoi Parce que les meneurs des opérations ont disparu il reste en place sa descendance à lui qui est en fait tout simplement se retrouve dans un bain avec la descendance noire et la descendance indienne. Donc cette euh, union là doit d'abord commencer par euh, reconnaître la l'existence des natifs qui lui étaient indiens qui possédaient le terre pour qu'il y ait un ancrage normal et de la physique et de la métaphysique des États-Unis. Mais c'est là n'empêche qu'aujourd'hui que ça soit un noir, que ça soit un blanc, que ça soit un natif indien qui puisse prendre le pouvoir. Ce n'est plus la vision de... Mais effectivement, ça nous rejoint en Afrique parce que autant de prophéties ont dit, quoi qu'il en soit, le grand frère de ce monde, c'est l'homme noir. Et qu'il est quand même appelé à remettre les choses au point. Mm -hmm. Avoir aujourd'hui un fils descendant de l'Afrique à la tête des États-Unis, c'est un grand plaisir. Pourquoi Parce que nous considérons que s'il se remet dans sa tradition interne, dans sa culture africaine, il va aider les États-Unis à rééquilibrer beaucoup de choses dans ces mondes. Euh, nous osons croire qu'il va rester en contact avec non seulement les natifs indiens, la, la, la communauté blanche mm -hmm. et la communauté noire dont elle, elle ressort. Je pense qu'il va aider le pays à très vite avancer et nous osons croire qu'il ne va pas tomber dans l'esprit du western américain de l'époque. L'esprit du western américain de l'époque. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons sur ce plateau le grand chef coutumier Fumu Difima Bols, qui est le secrétaire général de l'ensemble des grands chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Il est de passage à Washington D.C. et euh, je vais me tourner vers lui pour... Euh, vous venez de faire une tournée euh, américaine et vous avez rencontré les grands chefs euh, indiens. Euh, et vous avez parlé de la réhabilitation du pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un peu à mot, parce que Mais euh, et pourquoi eux? Que Pourquoi eux C'est d'abord un grand plaisir mm -hmm. pour moi d'avoir fait cette tournée, parce que là, je suis pratiquement à la troisième tournée. Euh, mm. Premièrement, je devais rejoindre les universités américaines. Les universités, c'est pour leur parler de la culture et de la place de l'autorité coutumière, la place du pouvoir coutumier, parce que souvent, on a tendance, euh, pour vous, nos enfants. Qui est passé par l'Académie française, vous avez tendance à confondre le mot. Quand je dis autorité traditionnelle, tout le monde se dit autorité traditionnelle, c'est qui Quand je dis pouvoir coutumier, on dit à pouvoir coutumier, c'est l'Afrique. Non. L'Europe a le pouvoir coutumier. L'Amérique a le pouvoir coutumier. Le pouvoir coutumier, le pouvoir traditionnel est lié au sol il est lié à la terre. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans, euh, dans tous les écrits euh, saints, parce que vous aimez bien appeler ça saint, ou euh, dans tous les écrits historiques de l'histoire de, de, de l'humanité, on vous dit que la chair vient de la terre et redevient terre, poussière. Mm -hmm. Ça veut dire que la tradition est liée à la poussière. Et chaque poussière, chaque terre est collée à un individu, à mm -hmm. un clan, à un groupe dont la gestion des esprits appartient à un certain nombre de gens. Et ici, il ne faut pas euh, oublier et d'ailleurs, que quand nous parlons terre, quand nous parlons air, quand nous parlons espace, quand nous parlons intelligencia tout cela est lié aux esprits. Et ici, par exemple, quand on dit l'esprit, c'est quoi Les gens ont difficile à comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'esprit. Mais quand je demande, mais est-ce que vous reconnaissez tous, d'ailleurs, tels que vous êtes là, que en vous-même, dès votre naissance, il y avait un esprit dans votre corps est-ce que vous reconnaissez que quand vous écrivez maintenant avec toutes les églises, euh, sauvons les âmes, vous faites la chasse aux âmes, nous disons l'âme. L'âme, c'est quoi l Âme, c'est quoi Mais si vous voulez comprendre tous ces mots, vous devez d'abord revenir vers votre langue. Et quand vous aurez compris la langue, alors vous allez réaliser qu'est-ce qu'on appelle l'esprit, qu'est-ce qu'on appelle l'âme, qu'est-ce qu'on appelle corps. On aime pour l'instant tout mettre dans l'amalgame pour empêcher, en fait la descendance de comprendre cette différence. Parce que quand l'homme comprend cette différence, il ne va plus se laisser faire. Il y a des choses qu'il ne va plus autoriser. Mais en l'embrouillant, en l'hypnotisant dans ses histoires, on les bloque et on l'empêche de comprendre l'humanité. D'ailleurs, euh, vous allez vous dire aujourd'hui, Abraham, pasteur, euh, vous allez dire, bah, écoutez, quand on est mort, on est mort. Ben, le corps, c'est rien, c'est la poussière, c'est parti. Mais quand vous arrivez le 1er août, le jour des morts, vous vous rappelez quand même que non, mais j'ai un papa. Il faut quand même qu'on aille déposer euh, ces gerbes de fleurs. Pourquoi Vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous vanter aujourd'hui étant vivant. Mais le jour où vous décédez, votre maman, votre sœur ne va pas vous lâcher. Vos enfants, nièces et neveux, ils ne vont pas vous lâcher. Petits-fils, ils ne vont pas vous lâcher. Ils vont tous s'élever pour dire, c'est le 1er août aujourd'hui, allons déposer la fleur sur le tombeau de celui-là qui est parti. Et quand vous venez à Kinshasa, c'est toujours écrit, repose ici en paix, que votre âme repose en paix. Quand vous allez dans les cimetières américains, ici européennes, cette date-là, c'est bourré de, de, de gerbes et de fleurs. Tous les blancs sont au rendez-vous. Ce jour-là, eux reconnaissent que l'esprit existe. Ils reconnaissent qu'il y a un corps qu'ils ont laissé là. Ils reconnaissent qu'il y a une valeur de cimetière. Donc quand vous revenez vers ces valeurs, vous réalisez qu'en fait, le monde qui est dit « physique, se retrouve en minuscule autour d'un monde qui est dit métaphysique et c'est ce monde-là qu'on appelle les mondes du sorcier c'est ce monde-là qu'on appelle les mondes de la sorcellerie dans lequel vous, vous retrouvez et les gens qui font des rêves et ceux qui ont des songes et ceux qui ont des visions et ceux qui commencent à voir pasteur je tiens à ces mots sorcier parce qu'on a tendance c'est pour atterrir hein, je ne veux pas Non, non, il n'y a pas de problème, parce que la prochaine question, vous y êtes déjà. J'allais voilà. vous poser une question Donc, sur, euh, sur les relations entre l'Église et le coutumier. Vous déjà C'est ce que je veux dire. Je vous laisse Ça veut flou. dire, quand vous entrez dans le monde américain aujourd'hui, vous retrouvez le service euh, de la CIA. Vous retrouvez les FBI. Vous retrouvez les services communaux, provinciaux. Tous ces services de renseignement et de sécurité sont gérés. Si pas par les ministères de la Sécurité, par les départements de la Défense. Mm -hmm. Il y a toujours un patron qui a le contrôle pour éviter des C'est cela que ça veut dire. Non, la CIA vient de déconner. L'FBI vient de déborder. Non, il y a une invasion étrangère avec euh, les KGB. Non, surveillez bien la SDC française. Et il y a un département qui a le contrôle sur tout ce qui peut bouger autour de lui. Ce département peut-il être, euh, euh, comment dire, visualisé les... comme étant le chef coutumier Ce département-là, c'est le patron de la métaphysique de son entité, et c'est celui qu'on appelle le chef coutumier. Et ici, ces chefs existent. Ces chefs-là existent. D'ailleurs, l'exemple est simple. Aujourd'hui, quand vous êtes pasteur, on vous pose la question, vous êtes de quel ordre oui. Catholique Si c'est catholique, c'est Rome qui vous gère. Mm -hmm. Anglican C'est Londres qui vous gère. Orthodoxe C'est les Russes qui vous gèrent. Mm -hmm. Mais toutes ces églises sont au Congo. Les catholiques ne gèrent pas les orthodoxes au Congo. Hein. Les Anglicans ne gèrent pas le, les catholiques. Hein. Les musulmans, pareil. Quand on a créé les désordres, qu'on appellerait même canoniques, tous ces ordres ont un patron. En fin de compte, il y a un patron. Mais ils vous montrent jamais leur patron. À ce sujet, pour ceux qui nous rejoignent, encore une fois, nous avons ce soir un grand chef. Et vous remarquerez qu'il y a une avancée euh, très importante dans le. Dans le... I don't think that camera is on me. You on me? Okay. I'm sorry guys, I'm going to start over. Okay. Can I get the close up? Thank you. Yeah. All right. Pour ceux qui ne rejoignent vous remarquerez que aujourd'hui les grands chefs coutumiers congolais s'expriment dans différentes langues, ils sont éduqués ils sont formés et peuvent expliquer toutes ces zones d'ombre qui ont fait que dans le temps ou à l'époque, compte tenu du manque d'informations, du manque de, 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 de connaissances ou de transmission de ces connaissances, ils ont été perçus comme étant euh, des sorciers, le mot il a dit. Et nous allons d'ailleurs y revenir parce que cela est important. Mais une question, euh, je voudrais que vous puissiez préciser. Aujourd'hui, vous avez parlé de ces églises. Un chef coutumier, grand chef coutumier. Quelle relation y a-t-il Parce que dans le subconscient du Congolais ou de, de notre collectif, nous pensons que le chef coutumier, il n'a rien à voir avec Dieu, il ne connaît pas Dieu, son pouvoir est un pouvoir euh, nuisible et tout y quantique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette affirmation En qualité, encore une fois, le secrétaire général des chefs coutumiers de euh, l'RDC. C'est ce qui est important. Euh, je n'irai pas loin. Parce que vos téléspectateurs qui vous suivent dans cette chaîne que les Congolais suivent souvent, ou d'ailleurs toute la communauté Merci. internationale, euh, je vais peut-être leur faire voir que si je vais vous parler à vous, c'est en tant que descendant d'un chef coutumier. Mm -hmm. Et j'aimerais plutôt vous faire raisonner. Votre papa, votre grand-père, ce chef coutumier qui a donné naissance à toute cette famille, il est, on les considère un peu comme diables. Doit-on considérer que toute votre famille, votre clan sont les produits de diables, d'un diablotin quelque part Je dis, il y a diversion. Il y a diversion, la seule difficulté que nous avons. Je dis, quand vous transvasez tous les français que vous apprenez, vous aviez dit que vous étiez content euh, de voir aujourd'hui des chefs coutumiers qui, qui ont été éduqués Non. C'est le coutumier qui les éduque. Le on ne l'éduque pas. Pourquoi je le dis Parce que souvent, on a tendance que quand on a été à l'école, quand, quand on est devenu intelligent, qu'on croit qu'on a le monopole de l'intelligence. On oublie même qu'on est venu de quelque part. Pourquoi je le dis À l'école primaire, à votre enfant, ou nous-mêmes en passant par là, on apprend le simple calcul 1 plus 1 égale 1. Et quand vous rejoignez les secondaires, on vous passe à l'algèbre et à l'équation, où vous commencez à apprendre que x plus 1 égale y. Et quand vous sortez de là, c'est quand vous rejoignez l'université qu'on vous dit, attention, il y a équation à inconnu, à plusieurs inconnues, à plusieurs variables, et que finalement vous passez dans la recherche. Il y a des étapes. Et aussi au niveau de l'intelligence de, 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 de l'individu. Quand vous allez pour apprendre une langue, c'est pour seulement développer d'abord votre capacité de conception parce que vous apprenez dans une langue. La langue aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, comme vous le dites, bien, je suis en train de parler en français, parce qu'il s'agit de l'académie française. Mais Même l'alphabet français a, a moins de deux siècles. Et les gens s'enorgueillent en disant « Non, je suis docteur en français ». Ça change quoi Parce que si je l'amène aujourd'hui à, à Guangzhou, il ne sera même pas, pas prononcer un seul mot d'un docteur en français. Toute évaluation dépend d'un département bien défini. Exactement. Ici, l'éducation qu'on attend d'une population, c'est d'abord l'éducation mère que tu reçois chez toi à la maison. C'est pourquoi on a toujours dit que l'éducation, la, 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 la valeur d'une personne dépend d'abord de l'éducation qu'il a chez lui à la maison Exactement. et non l'éducation qu'on lui octroie à l'école. Il y a inversion de fait. Voilà pourquoi j'étais en train de dire. Qu'en fait, la difficulté euh, avec le chef coutumier, à l'époque, quand l'évangélisation est arrivée, le pasteur ou le prêtre qui arrivait allait d'abord chez les chefs coutumier pour présenter ce qu voulait, de quoi il voulaient parler. Il ne faut pas oublier que les églises sont des associations philanthropiques. Okay. Ce sont pratiquement les ONG de développement qu'on a retourné dans la pratique, dans la conservation des foi des autres. Non, on a dévié de leur objectif il présentait à la population au chef de l'entité ce dont ils avaient besoin. Et il y avait un enseignement qui était limité et des jours bien précis l'heure même qu'il fallait à cela. De même que l'autorité coutumière pouvait dire non tel mois pas ceci. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après Même à l'époque, le même conseil quoi, le même confession pour vous prendre vous au niveau de l'église, il demandait l'autorisation à la famille. Est-ce qu'on peut prendre telle Et la famille pouvait dire non. Pas bah, Abraham. Prenez-nous plutôt telle personne. C'est eux qui désignaient la personne qui pouvait envoyer vers cette œuvre-là. Pour qu'il aille apprendre ce qu'il y a. Exactement. Et la difficulté aujourd'hui qui pose encore la question. D'ailleurs, aujourd'hui, il suffit seulement que votre femme fasse six mois dans une église. Tellement qu'il le prêche bien qu'on commence par lui dire Oui, mais je viens de faire un rêve, vous et votre mari là. Vous savez, ce n'était pas originel d'ailleurs. D'ici là, ça n'ira pas. Donc, ces gens-là, quand ils se sont mariés, c'était des bêtises. Vous là, parce que vous venez de, de prêcher, vous vous rendez compte que non, ces mariages-là, ce n'est pas un mariage dont vous Vous devez en créer un autre qui est un mariage divin. Parce que le premier était diabolique. C'est quoi ces bêtises Mais, mais comme je que ce dis. Ce n'est pas l'absence aussi, parce que le premier mariage, c'est vous. Non, mais c'est là où je vais répondre, parce mm -hmm. que j'avais dit que j'allais chuter sur la réponse. Mm -hmm. Quelle est la différence où se situe l'autorité coutumière et l'église mm -hmm. Monsieur le grand pasteur, monsieur le prophète, mais les jours où vous voulez vous marier, vous vous êtes bien aimé dans votre église, vous avez amouraché tous les fidèles autant que vous voulez, mais vous-même, les jours-là où vous voulez vous marier, vous commencez par demander à votre femme. Qu'est-ce qu'on fait chez vous parce qu'il faut qu'on mette la papa? Voilà. Ah, tiens, vous vous rappelez ce jour-là que les pa... cette femme-là, ce fidèle-là sur qui vous pouviez jouer quand vous voulez, à tout moment, l'envoyer en intercession ou en ceci, tout ce que vous voulez. Mais ce moment-là, quelqu'un vous rappelle que cette femme n'a jamais été à vous. Cette fille-là appartient à un papa. Et que ce papa-là est dans une culture. Et cette culture a un chef. C'est ce qu'il faut aller demander. Lui, gardien des coutumes, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Et c'est ça qui conduit tout doucement vers la valeur de l'identité à ce moment-là de la femme. D'où la culture égale identité. Et l'identité, c'est le coutumiers. Les noms qu'on vous a donnés, ce sont des noms coutumiers. Ce sont des noms identitairement congolaises. Ce sont des, des noms identitairement ancestrales. Donc, vous ne pouvez pas échapper à cela. J'ai dit seulement si aujourd'hui les chefs coutumiers étaient été diabolisés, c'est parce que nous assistons à ce qu'on appelle à Kinshasa les magablo. Les magablo, c'est le cas social difficile à Kin. Il suffit de taper les mains le matin. poto. Ah Ah non, mon papa dit que non. Non, non, d'ailleurs, on va prier pour ton père. Il est ensorcelé, il est possédé. On va désensorceler, dés 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 on va méditer, on va intercéder Non. L'Église est devenue tellement un commerce que l'Église du début, qui considérait qu'il était derrière le chef coutumier, a disparu. Mais, mais c'est la faute à qui Parce qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons dire que nous pouvons vous reprocher une chose c'est vous, les chefs. La dégradation qui fait qu'aujourd'hui les gens trouvent un refuge dans l'Église à cause de la pauvreté, à cause de la vie sociale difficile. Euh, et peut-être parce que quelque part, il y a ce, pouvoir, euh, ce pouvoir coutumier n'est plus tellement vu dans notre société. Si ce n'est que pour des grands moments comme le mariage. Euh, le décès ou même la naissance, c'est assez grande Ou les élections. Ou les élections ou encore plus loin, lorsque quelqu'un a été établi dans une fonction, c'est le clan, c'est la famille qui vient. Il y a certaines procédures. Est-ce que n'y a-t-il pas un déséquilibre dans l'homme congolais J'aurais voulu qu'on parle un peu parce que j'ai l'impression. Oui, que... c'est la profondeur de tout. À quel niveau ça s'est abîmé Je vais vous dire que quand le Congo souffrait encore de la colonisation. Euh, Aujourd'hui, vous vous dites peut-être être, être évolué parce que vous avez appris à parler les Français. Mais avant 60, les Congolais a, ne connaissaient pas ces Français-là. Et c'était des millions de Congolais, mais qui revendiquaient l'indépendance. Ces groupes de jeunes qui étaient en avant-plan, qui voulaient l'indépendance du pays, ont eu comme référence les chefs coutumiers. Tout ce qu'ils allaient faire, consultation d'abord, chef coutumier. C'est ce qui va d'ailleurs justifier. Quand ils vont dire que l'homme blanc va quitter ici, les gens n'y croyaient pas. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à raconter. Non, on a vu des mystiques à Kin, qui sont sortis dans tous les sens. Et Kimi. Oui. Les peuples n'étaient pas au front de cette guerre. À l'époque, quand une guerre arrivait, le chef coutumier n'appelait pas son peuple pour aller en guerre. Il leur disait rentrez dans vos maisons, que personne ne sorte. Il était seul dehors. Et des armées étaient déviées. Ils déviaient. Et ils s'en allaient. Mais ils n'avaient pas des avions de chasse. Mais qu'est-ce qui est arrivé après C'est là la bonne question. Première table ronde sur l'indépendance du Congo. Mm -hmm. Sur le 100 personnes de la délégation, 30 chefs coutumiers, représentant toutes les communautés du Congo. 30 chefs qui se parlaient entre eux, dans une bonne alliance. C'est cette alliance que nous avons aujourd'hui. Et ils ont dit à table, indépendance tout de suite. Le peuple a eu peur. Mais nos vieux là, vous ne trouvez pas. Non, non, non. Vous n'allez pas travailler avec l'intelligence du blanc. Vous allez revenir dans l'intelligence de chez nous. C'est supérieur à ce qu'ils font. Est-ce que vous définissez un peu l'intelligence Parce qu'il y a ceux qui me suivent qui risquent de vous perdre. Mais de... Ce n'est pas difficile d'expliquer l'intelligence. Peut-être ceux qui me suivent, il y a des docteurs, euh, des de chirurgiens. J'aimerais bien que, qu puissent, que chacun puisse poser la question à son docteur, à son chirurgien. Mon docteur, à chaque fois que vous ouvrez un cerveau, avez-vous déjà trouvé les nerfs qui parlent intelligence Personne ne les trouvera. Mm -hmm. Et quand nous sommes là chez nous, en train d'étudier, pourquoi les autres ont-ils des capacités supérieures aux autres On va vous dire que ce sont des neurones. Mais est-ce qu'on a déjà sorti ces neurones-là qui déclenchent les activités Non plus. C'est pour dire que quand on veut parler intelligence, en termes ancestrales, on dit... Moi, à la naissance, un enfant n'est pas intelligent. Il commence à acquérir l'intelligence selon que le papa ou la maman commence à lui donner une certaine pratique. Et il commence à découvrir et son intelligence commence à grandir. Mais on lui rappelle que ton intelligence, ce n'est pas ça qui va construire le monde. L'intelligence ne construit pas le monde. L'intelligence n'est qu'un acquis sur un corps. Il faut sortir de l'intelligence, mûrir et devenir sage. Passer de l'intelligence à la sagesse. La sagesse, c'est la maîtrise de l'intelligence. Mm -hmm. Ici, malheureusement, ces enfants qu'on envoie vers la découverte du monde, quand ils acquièrent l'intelligence européenne, occidentale, orientale, Doublé des capacités métaphysiques, ils ont l'impression, ils se croient, ils se croient, un peu comme ce garçon qui apprend à conduire. Il dit Papa, mais moi j'ai conduit. toi tu n'as jamais conduit, j'arriverai à Bruxelles avant toi. Et il est étonné qu'il arrive à Bruxelles, il dit Ton père est là depuis 4 heures, 4 heures avant que tu ne sois là. Mais je l'ai laissé à la maison, il n'y a pas eu d'avion. Mais comment il est arrivé <laughs> Mais le gars est arrivé. Ça veut dire, ton intelligence que tu crois intelligent là, mm -hmm. ce n'est rien. Mais la sagesse, c'est ça qui va construire le monde. Et la sagesse, c'est ça qui manque à notre population. Mais comment faire pour y arriver Parce que vous savez. Comment faire oui. C'est là que je suis toujours en train d'avancer. Mm -hmm. Parce que c'est un peu ça le sens. L'intelligence, la sagesse. Maintenant, quand on arrive à développer l'intelligence, quand on monte avec la sagesse, nos parents, nos ancêtres, qui sont allés à la première table ronde, ont dit Indépendance, tout de suite, ils l'ont obtenu. D'où vient la difficulté On définit la date du 30 juin. On revient au Congo pour préparer la deuxième table ronde qui était économique et culturelle. Économique, je pèse le mot. Exactement. Économique et culturelle. Économique, parce que c'est là qu'ils devaient retrouver la fortune, les sociétés minières, les sociétés agricoles, tout ce que... Ça dit la remise et reprise. Avec la, colonne, le, 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 le colonne, colonne, avec la colonisation, avec oui. le pays colonisateur. Et de l'autre côté, c'est la table ronde culturelle, là où il fallait récupérer la mémoire congolaise. Ah oui, vous allez encore me demander, mais c'est quoi la mémoire Des mêmes que je dirais, mais c'est quoi l'intelligence Mémoire, c'est quoi mémoire Ah, âme, il semble que c'est l'assiette, de la mémoire. On dit mémoire, dit mémoire ou de la mémoire La mémoire. La mémoire. Parce que le français, c'est compliqué aussi. Je crois que la sagesse nous dit... L'âme, c'est l'assiette. Ah, l'âme, c'est l'assiette de la mémoire. Mm -hmm. L'âme en la personne ne disparaît jamais. L'âme ne meurt pas. Donc il y a quelque chose que l'homme ne gère pas, qui ne découvre que quand on vous amène dans des loges. Et encore, quelle loge les loges occidentales, comme les arts martiaux, quelqu'un qui va apprendre le, le, le shogoda ou quoi, comment, le taekwondo, je prendrai un seul exemple. Mm -hmm. On peut vous monter jusqu'au deuxième euh, Dan, Dan mm -hmm. mais vous n'arriverez jamais au quinzième parce que le douzième et quinzième est réservé aux Chinois. Mm -hmm. On peut vous faire monter jusqu'au top, mais il y a un top que vous n'allez jamais contrôler parce que ce ne sont pas vos loges, ils vont toujours vous gérer. Et quand vous découvrez ça, vous dites, mais. Mais pourquoi c'est que je découvre ici Mon père ne m'a jamais montré. Mais ton père t'a toujours dit, mon enfant, tout n'est pas permis à tout le monde. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'une capacité de sagesse pour te permettre de travailler et d'inventer, c'est tout. Quand vous prenez les esprits extérieurs qui viennent s'asseoir sur l'âme et sur votre esprit à vous, vous n'allez jamais créer. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, la remise des plus culturelles n'a pas été faite. La remise-reprise financière n'a pas été faite. Pourquoi Parce que la deuxième délégation, dans laquelle tous les chefs étaient maintenant debout, pour aller dire, maintenant on va arracher l'indépendance de l'homme congolais. L'indépendance politique, la date, ce n'était pas ça. Le plus grand combat, c'était arracher l'homme congolais, arracher la mémoire et ramener l'âme. Mmh. Et nos enfants, embarqués dans la folie dans les... Les, les, la furie de, de, du bonheur de tout ce que les Blancs ont laissé ont embarqué dans cette deuxième délégation des conseillers belges. Ceux-là qui savaient qu'on était en train de tout arracher, vous les avez mis dans vos blocs de conseillers, vous avez laissé les chefs qui étaient les garde-fous parce que vous avez considéré que le peu de Français que vous parlez, c'était ça la vie. Et jusqu'à ce jour, Jusqu'à ce jours, quelqu'un s'est permis à Bruxelles de montrer la dent de Lumumba pour dire :« Je le porte en médaille. » Le sang d'un Tétéla, le sang d'un Louba, jeune qu'il est, il se réchauffe quand on lui montre l'habit de sa mère. Aucun Moulouba, aucun Tétéla, à Bruxelles ils font beaucoup de bruit. Aux États-Unis vous faites beaucoup de bruit, autant que vous voulez. Qui s'élève pour dire, c'est lui là qui avait montré cette dent doit nous les ramener? J'aimerais peut-être vous rappeler. Dieu le veut, le journaliste français, là cet homme des de, de services et de sécurité des renseignements, cet agent la double, mm -hmm. qui a disparu au Congo au pont maréchal. Patrice de Dieu le veut, oui, oui. Qui a disparu dans ce pont maréchal-là. Jusqu'aujourd'hui, la France recherche. Imaginez qu'on vous dise qu'un fou mou qui est ici dans votre plateau, il déclare ici. D'ailleurs, ce type-là, c'est moi qui avais pris sa chemise. Donnez-moi le nombre de secondes que les services américains et français mettront pour très vite me cueillir. Parce que le peuple américain le peuple français sera debout pour dire prenez-nous ce type tout de suite. Eux, ils ont une valeur humaine que vous, vous n'avez pas la mémoire, l'âme. Là où nous devions arracher la liberté du Congolais, vous l'avez perdu parce que vous aviez préféré parler du bonheur comme tout le monde qui crée aujourd'hui quand il y a une élection, on peut inventer tout ce qu'on veut. Les tous, c'est de prendre le pouvoir. Non, pouvoir, c'est un mot, pouvoir. Pouvoir, c'est un mot. N'écrivez pas pouvoir comme vous l'écrivez. Les pouvoirs, c'est autre chose, ce n'est pas physique, c'est métaphysique. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons le grand chef Fumou Difima, qui est le secrétaire général de tous les grands chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Il vient de lancer cet appel et j'espère que vous, patriotes résistants congolais, vous qui aimez ce pays, un défi nous a été lancé ce soir. Nous devrions tout faire pour récupérer par reconnaissance de notre identité cette dent de, ce, de cet héros que nous avons eu au Congo, dont le nom est repris dans toutes les grandes villes, dans toutes les capitales du monde, de l'Orient à l'Occident, dans tous les coins, vous retrouverez le nom de Patrice Emery Lumumba. Vous comprenez, chers amis, chers frères et amis téléspectateurs spectateurs de Code 243, que nous rentrons dans une profondeur aujourd'hui pour comprendre les raisons fondamentales, les raisons cachées qui font qu'aujourd'hui ce grand pays qui a toutes les richesses du monde et toutes les potentialités pour être non le numéro 2, mais être la gâchette. Non pas de l'Afrique, mais du monde puisse jouer son grand rôle. Je me tourne encore une fois vers vous, grand chef, et merci d'avoir répondu à notre à notre invitation. Je ce voulais soir. finir avec parce que on parlait de, de, de ma visite aux États-Unis avec Exactement. les universités américaines. Mm -hmm. Toujours en restant sur l'affaire Lumumba, je dis dans notre tradition, si aujourd'hui on dit que dans les voyages de Fumon, on l'a plus retrouvé. Ma famille, mon clan se mettent en deuil. Ils ont quelques jours, un an, ou pour les grands chefs, trois, quatre ans, mm -hmm. des deuils, pour implorer et demander qu'ils puissent dire ce qui s'est passé. Qu'on le retrouve. C'est notre culture. Et le seul jour où on retrouve une seule chemise de Fumo, ce jour-là, les funérailles commencent. Mm -hmm. Dès qu'on a montré la chemise, qu'on vient de retrouver la chemise de Fumo, les deuils commencent jusqu'à ce que cette chemise revienne et contienne les deuils. Tant que cette chemise ne sera pas revenue, le monde ne sera pas tranquille. Si je peux encore parler de Lumumba, rien que comme exemple, j'irai encore plus haut que lui. Simon Kimba. Simon Kimba, on allait y arriver. J'irai plus loin que lui. Kimpa Vita. Des esprits. On a bousculé, pour lesquels on n'a pas fait de funérailles. Et ça, ce n'est qu'un exemple sur autant d'esprits qui entourent le monde. Et qu'aujourd'hui, dans les universités américaines, j'attire l'alerte. Le monde est bousculé. Tout le monde veut parler de euh, pollution. Mm -hmm. Non, il faut bloquer la pollution parce que euh, au pôle Nord, là, il y a les, les, les glaciers qui commencent à fondre. fondre ok, ça. ok, c'est bon. J'aimerais vous donner un autre exemple. Il y a des tempêtes qui traversent les États-Unis. Ils traversent de l'Est à l'Ouest sans casser une seule maison, sans casser un seul arbre. Mais il y a des tempêtes, moins fortes que le premier, mais son passage, il rase tout. Mm -hmm. D'où ma question. Si l'Européen et l'Américain, je les fais réfléchir, pour qu'ils puissent me dire, sur base de quoi donnent-ils de nos tempêtes Puisque c'est la météo. Si auparavant, à chaque fois qu'on donnait un nom, c'était par rapport à la personne qu'il a découvert. Mais quand il donne le nom actuellement, il donne par rapport à quoi Pourquoi reconnaissent-ils que ce sont des esprits Pourquoi vous, les nôtres, vous ne croyez à l'esprit que quand c'est l'homme blanc qui en parle Ils sont voilés. Pourquoi Et quand nous nous parlons, ça c'est des sorciers. Et ce dessin, vous là, vous êtes les enfants des sorciers. Si ce n'est pas le néocolonialisme, vous êtes où Vous êtes où Voilà là où se situe le problème. L'indépendance culturelle ne s'est jamais faite. Mmh. L'indépendance économique ne s'est jamais faite. Il n'y a plus rien eu jusqu'à aujourd'hui. Même mes trois personnes ont tenté à Bruxelles, pour ceux qui me suivent de Bruxelles. Kamanda, Nimi. Quatre. J'étais trois, Kanmanda, Nimi et Pinga, Pinga Kassenda. Oui. Tous les trois ont voulu rebousculer les histoires anciennes. Ils ont fini comment Ils ont fini comment Qui ne le sait pas Est-ce qu'il y a-t-il eu remise et reprise entre le roi Baudouin et le président Kasavubu? Rien. Tout se résumait en un mot. Une page. À date d'aujourd'hui, les Congolais sont devenus indépendants. Point. Signé les ministres des Affaires étrangères belges et les ministres des Affaires étrangères congolais. C'est quoi cette bêtise Et les Congolais se disent, OK, voici l'occasion entre nous d'abord de mettre les choses au point. Rappelons les anciens, rappelons les ancêtres qui puissent nous aider. Ils disent, mettez une loi en place. La loi fondamentale s'est mise en place en 1963. Mm -hmm. À peine qu'on fait appel au chef coutumier, où on reconnaît, la loi fondamentale reconnaît 30% des chefs coutumiers au Sénat, 30% à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Je parle bien 30%. Les chefs coutumiers n'étaient pas appelés aux élections, parce qu'ils étaient considérés comme très parents. Et que sa présence là-dedans dans ces institutions, c'est pour canaliser la sagesse. Ah oui, c'est quoi cette histoire Pouf les coups d'État. Tiens, les coups d'État. Ce sont les chefs coutumiers qui ont fait les coups d'État en 63. Mais vous qui vous d'État. Ah non, non, avançons. Mm -hmm. Il fait son coup. En 65. Il maîtrise tout. Il neutralise tout. Il vient en 69. Voir. Il vient vous voir. En 69 Vous pensez ton... Non, En 69. Mm -hmm. En 69. Il reste un autre fils. Mm -hmm. Que ce soit Kassavubou. Que ce soit Mobutu. Que ce soit Laurent Désiré Kabila, que ce soit Joseph Kabila, que ce soit vous, ou tous ces Congolais, à Kinshasa, au Congo, et ceux qui font du boucan partout, vous êtes nos fils. Vous n'allez pas nous échapper. Ce ne sont pas des ailes. Hein? Retenez ça. Quoi qu'il en soit, qui vous arrivera en Europe. Et ça, il faut retenir. Mobutu a reconnu ces failles. Il est réparti vers le parent, vers l'ancestral, pour dire J'ai compris que j'ai besoin de vous. C'est un fils qui a demandé. Il avait le pouvoir du pays. On l'a intronisé. On lui a donné le toc. Les léopards qui se retrouvent aujourd'hui dans le, le, le. Dans le drapeau Dans, le, dans les effigies congolaises. Mm -hmm. Les armoiries, ouais, ouais. Dans les armoiries. Ce léopard n'est pas Mobutu. Ce léopard existait bien avant. C'est le chef coutumiers. Tous vos cachets que vous avez dans vos passeports et tout. Mais vous nous retrouvez dans tout ce que vous touchez. Tout. J'avance. Mm -hmm. Mobutu prend le pouvoir. On l'intronise partout. On lui dit va Mobutu est devenu un koï. Il n'y a pas un seul chef d'État au monde. Qui pouvait regarder Mobutu comme ça deux minutes. Personne. Parce qu'on lui a donné l'imao et les pour Et le Congo a pris une certaine valeur que ces Congolais-là étaient respectés partout. Pas un seul pays africain ne pouvait parler. Pas un seul pays asiatique ne pouvait parler. La Chine, c'est encore des gens qui se pliés aux Congolais. L'Amérique s'est pliée aux Congolais. Les Congo, c'était les États-Unis. Avec son pouvoir ancestral. Et Mobutu va faire sa première tournée. Et quand il revient, il dit recours à l'authenticité. Et on l'a drainé dans les méandres de goût du monde. Il a retrouvé l'Europe telle que vous retrouvez les États-Unis aujourd'hui. L'aisance. Alors que l'Indien lui vous dit, je n'ai pas besoin de richesses, j'ai besoin du respect et de la paix. Ça, c'est les natifs ici qui vous les disent. Mm -hmm. Mais vous, non, La considération et les valeurs ancestrales, vous les avez perdues. Mobutu a fait tomber cette valeur. Et il a commencé par nous balancer la loi Bakaljika. Parce que les coutumes ont commencé à l'interpeller bloquer, il dit dans ce cas allez loi bakajika basé sur tout ce qu'ils pouvaient faire ils ont arraché sur les sous-sols des chefs coutumiers pour l'envoyer vers l'état congolais qu'est-ce que vous en avez fait permettez que je l'arrête un peu là est-ce que Bozan a c'est peut-être pour ça que je crois que On en Zokene... non en perdant en perdant le ce pouvoir ancestral qu'on lui a donné Mobutu perdait aussi et c'était son départ il nous a fui. en essayant d'amener le Congo vers le Zahir, en disant je resterai seul président, on ne me touchera jamais au Zahir. Mais on lui a fait voir que le Zahir s'était posé sur le Congo. Il fallait l'enlever. Et aujourd'hui, il est parti. Le Zahir est quelque part, ou lui-même est d'ailleurs. Et là d'ailleurs, j'ai toujours dit, si sa famille biologique tient à protéger les valeurs ancestrales de leur descendance biologique, il y a des cérémoniales. Parce que Mobutu n'est pas au Congo. Hein. Non, ça je vous informe. Mobutu n'est pas au Congo. Mobutu est quelque part. Mm -hmm. Pour ceux qui ont travaillé avec lui, posez la question à ceux qui ont travaillé avec lui, ils savent où il est. Ils savent. Ils savent. Qu'il soit seulement honnête de dire à la population congolaise, pardonnez-nous. Nous sommes vos enfants, très chers et autorités traditionnelles. Nous revenons. Nous n'allons jamais jeter nos enfants. La tradition congolaise ne jette pas son fils. Ne rejette jamais un enfant. C'est notre tradition. De la même manière que je disais, que Mobutu, dans son jeu, va revenir en affront avec euh, Mosé Kabila. D'abord avec Tshisekedi. Bousculade, bousculade, conférence souveraine. Ou ouais. même les chefs coutumiers vous disent si vous ne venez pas vers nous, il n'y aura rien. Personne n'y a cru, il n'y aura jamais rien. Mm -hmm. Et il n'y aura jamais de remise et reprise entre Mouzé Kabila et Joseph et Mobutu. Mm -hmm. De la même manière que Mouzé en entrant dit ⁇ Je veux voir les chefs coutumiers ⁇ Il ne les a vus que pour traverser Kisangani parce que l'avancée de l'Afdel a été bloquée au niveau de l'entrée de Kisangani. Mais dès qu'il a parlé avec le premier chef de Kisangani qui lui ont dit à Tingi, Hé, hey, tu peux aller ⁇ il est arrivé à Kinshasa comme une carte. Il meurt. Mm -hmm. Pas de remise-reprise non plus entre Joseph Kabila et, et son père. Non plus. Est-ce que, père, je ne remettrai pas en cause les paroles de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui a présenté un fils et son fils. Chez nous, on dit, Soit. par respect, par yeah. respect d'un défunt, par respect d'un défunt, de surcroît chef de l'État au Congo, de surcroît martyr, qui a fait suer son sang, il n'a pas pris femme d'autrui. Mouzé n'a pas pris femme d'autrui. Mouzé ne s'est pas fait fortune pour son combat. Mais Mouzé a ramené les Congos aux Congolais. Il a ramené une valeur que tout le monde a appréciée. Par respect, il laisse un fils, adoptif ou pas, biologique ou pas. Je dis par respect. Mais, là de... Par respect, il y a oui. des débats qui mm -hmm. sont des débats qu'on soumet à l'Assemblée nationale. Il y a des débats qu'on soumet à la Cour suprême. Il y a des débats qu'on soumet à l'Assemblée nationale, qui est quand on l'a mûri. Fou, mais Mouzé est entré quand... avec neuf armées chez nous. C'est ce que je dis. Mouzé est entré avec neuf armées, oui. Oui. Certes, oui. Mais quel est l'objectif pour Mouzé qu'on n'a pas eu Et lui-même aura déclaré que son alliance était une alliance de personnes qui n'étaient pas, jugées. son terme reviendra, il a parlé d'aventuriers et tout ça. Oui, mais c'est ce que... Le conglomérat d'aventuriers. Exactement. Oui, Mouzé va le dire. J'ai dit toujours, certes, vrai. Est-ce que le plus important dans un combat qu'on a mené par Mouzé était-il d'arriver à un Congo assis Ou est-ce que le plus important, c'était l'image des troupes qui l'ont accompagné Non. Quand Mouzé l'a dit, c'est quand ceux qui l'ont accompagné pour atteindre l'objectif qui a fait le bonheur des Congolais a considéré qu'ils ont voulu les déborder et qu'il a dit non, stop. Ce n'était pas ça l'objectif. Et là, il a été honnête. On ne peut pas lui reprocher ça. Il a été honnête en le disant. Le plus important, c'est que je relève ce que, du moins, Mouzé nous a ramené Les Congo, nous les chefs coutumiers. Et n'oubliez pas que Mouzé l'a dit. C'est la force ancestrale qui l'a conduit. Mouzé a remercié Simon Kimbang au stade. C'est grâce à lui que je suis arrivé à Kinshasa. Et Perm Simon Kimbang n'est pas autre qu'un esprit congolais. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons le secrétaire général de tous les chefs coutumiers et grand chef Fumo Difima Bols, qui est avec nous sur ce plateau. Vous comprenez, chers amis téléspectateurs, nous sommes obligés de rentrer dans cette dimension pour mieux appréhender les difficultés que traverse la RDC. Et euh, je vois que mon régisseur me parle qu'il me reste à peine 10 minutes. Nous allons, dans les 10 prochaines minutes, terminer la première partie de cette émission. Et euh, j'espère que vous allez ne pas quitter, car euh, dans la deuxième partie, nous allons parler de tout ce qui est proche de nous, tout ce qui est élection, les réhabilitations des chefs coutumiers et du pouvoir ancestral en RDC. Et euh, pourquoi pas parler également euh, des difficultés. Pourquoi, depuis que le notre pays s'appelle à chaque fois qu'il reprend le nom Congo, il traverse des soubresauts. Nous allons essayer, avec euh, euh, l'apport du grand chef qui va nous faire comprendre ce qui se passe et peut-être nous donner les pistes et les clés, selon la sagesse qui est nôtre, qui vont nous aider à reprendre notre pays, la RDC. Je me tourne vers vous, euh, grand chef. Euh. Vous avez parlé là d'une étape. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui vous ont très bien suivi, on a l'impression qu'il y a eu une difficulté dans la gestion de notre pays par le fait que ceux qui avaient le pouvoir administratif ont oublié ou négligé les véritables détenteurs du pouvoir en RDC. Est-ce que le fait qu'il y ait eu cette inadéquation, le fait qu'il n'y a pas eu cette relation, a-t-il... Entraîner un comportement ou euh, encore plus, parce que le mot pardon vous est souvent, vous l'avez sorti plus d'une fois au cours de cette émission, est-il nécessaire qu'à un certain moment, les autorités administratives de la RDC se tournent vers les coutumiers pour dire Nous nous sommes éloignés de vous, nous avons euh, pris d'autres chemins, et vous, à votre tour, de vous tourner vers le peuple pour dire Kandesili parce que nous voyons certaines calamités naturelles. Je suis quinois d'origine, on me dit qu'à Kinshasa, par exemple, les érosions sans fin sont l'origine de la, de la de, je ne peux pas dire colère, ou encore, comment pourrais-je dire, sont l'origine du mécontentement de certains chefs à cause de ces, ces phénomènes naturels que nous voyons. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces milliers, millions qui, qui vous écoutent euh, ce soir vous n'avez pas tort. Ce que vous dites est réellement vrai. J'étais en train de dire que le monde est géré par les esprits. Le monde n'est pas ce monde-là préfabriqué qu'on vous fait croire dans l'évangélisation. Je sais que la foi vous a boutiqué quelque part, mais l'adage français dit, un homme sans histoire est un homme sans valeur. Le même adage français dit, une nation sans histoire est vouée à la disparition. Et quand nous voulons parler histoire, on dit sans effet. Est-ce que c'est pour confirmer cet adage en complicité de ce que vous faites Ou est-ce qu'il est temps que mon peuple soit conscient et reconnaisse qu'il a dévié La culture, on te dit, c'est l'identité. La culture c'est l'identité. La culture c'est l'homme. La c'est ta valeur. Quelqu'un te dit que sans ta culture tu n'as pas de valeur. Et il t'invite dans sa culture à lui. Et tu viens t'être baissé. Tu ne comprends pas qu'il vient de t'injurier. Qu'il vient de t'appeler à la soumission. Et tu veux te vanter parce que tu as porté de veste parce que tu es devenu docteur en histoire, en sciences, Yonani, là est le problème. Là devient la difficulté. Où allons-nous D'où venons-nous Où, venons où sommes-nous Et où voulons-nous aller mm -hmm. Vous avez dit, je suis originaire de Kinshasa. Oui, je vais te rappeler que tu es originaire de Kinshasa, mais tu n'es pas autochtone de Kinshasa. Mm -hmm. Là commence le problème. Aujourd'hui, si ça pète ici, aux États-Unis, je ne veux pas rappeler euh, le, le souvenir de... les mauvais souvenirs de, la, de, de tout ici, mais imaginez que ça enveloppe tous les États-Unis. Très chers très chers Congolais, très chers compatriotes noirs, Congolais africains, vous allez tous vous rappeler que vous êtes venus tous. Vous allez tous vous rappeler que vous êtes venus de l'Afrique, du mm -hmm. Congo. Très cher Lwakwabong, quand tu vas atterrir à Kinshasa et que le même jour, malheureusement pour toi, une autre bombe tombe sur Kinshasa, tu vas te rappeler que Kananga existe. La question qui se pose, c'est deux. Le natif américain là qui ne peut pas quitter l'Amérique, parce que ne sait pas où aller nulle part, il va aller où? Et de deux, même en fouillant Kinshasa où tu es originaire, et que tu auras retrouvé ton Kananga autochtone. L'autochtone qui lui, va aller où Si tu ne peux pas penser à mon intérêt, en tant qu'autochtone de l'endroit, préparez l'avenir tel que chante l'hymne national. Parce que dans l'hymne national, vous chantez les aïeux. Vous implorez Dieu et les ancêtres. Vous chantez l'hymne national, la fierté congolaise, pour que les gens se retrouvent et donnent à la génération future Nous sentons l'hymne pour la génération future Don béni Congo des aïeux Congo Les aïeux là vous les prononcez parce c'est devenu verbe Où est-ce que vous êtes conscient que ces aïeux existent Est-ce que vous êtes conscient que ces aïeux agissent en vous Quoi que soit la longueur de la nuit, le coutumier triomphera. Et ça, c'est dans le monde entier. Il faut que le peuple le sache. L'autochtone de Kinshasa, vous avez tout pris. Des villes partout. Les entreprises se mettent comme ils veulent. Mais quand on dit chef coutumier, c'est le chef d'un clan, c'est le chef d'une communauté. Sa communauté aujourd'hui, les teke, les Umbu, de Kinshasa, dont une partie de moi-même. Dites-moi, aucune rétrocession dans les sociétés, aucun quota dans les sociétés, dans la rétrocession de l'État, aucun, dans l'administration, aucun. Et vous pensez que tous ces esprits qui partent, qui laissent leurs enfants pleurer, ils vont vous foutre la paix Vous qui mais grand chef, ceux qui nous suivent là risquent de dire, pourquoi vous voulez fuir la vérité Non, 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 c'est une... Vous savez, moi, on je... en fait le problème... Non, ceux qui suivent, mm -hmm. pourquoi ils vont fuir la vérité mm -hmm. Nous ne sommes plus à l'époque de mascarade. Je dis, aujourd'hui, j'étais en train d'avancer. Les Congos, dans cette constitution référendaire qui est sortie des 1 plus 4, parce que parfois vous oubliez pourquoi il y a les 1 plus 4. Autant de bagarres, autant d'esprit. Mais l'objectif était de sortir une constitution pour ce pays. Et là, il faut dire merci à Kabila. Il ne faut pas se leurrer. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut lui dire merci. On a aujourd'hui une constitution de la République qui définit les nouvelles règles. Il faut lutter pour ne pas qu'on les change. Et cette constitution a eu difficile à définir un Dieu sur le Congo. Difficile. Il faut mettre qui au Congo Jésus Allah, les loges, les sectes, personne n'a pu définir. Ils ont dit non, non, le Congo est like. Tout le monde peut apporter, tout le monde peut croire à qui il veut. Mais on vous dit que le Dieu de Jésus qu'on appelle Jova est jaloux. Je dis bien. Mm -hmm. Le Dieu de Jésus qu'on appelle Jova. Vous dites, ne me mélangez pas à un seul autre Dieu. C'est impardonnable. Les dieux de Mahomet, qu'on appelle Allah, vous dites n'osez même pas. Il n'y a que moi. Et vous vous permettez de mélanger tous ces dieux au Congo qui se sont jurés ennemis. Chacun protégeant sa communauté. Et vous, la poubelle de tout, et vous pensez que les esprits vont ménager Mais vous venez de dire que cette constitution est bonne parce qu'elle vous a rétabli. Je dis, cette constitution est raisonnable pour nous. Mm -hmm. L'article 207 réhabilite le pouvoir coutumier. Mm -hmm. Ah oui, si à l'article 2, le Congo est païen, qui n'a pas de Dieu, mais qu'à l'article 207, il me reconnaît moi comme détenteur de cette métaphysique du pays. Mais qui est le détenteur de la religion de la spiritualité du Congo Mais c'est les chefs coutumiers. Exactement. Mais vous l'avez déjà diabolisé. Diabolisé pour faire du bon commerce. Mais les gens ne se rendent même pas compte à quel moment on a diabolisé les chefs coutumiers. C'est quand la magie a fait son plein entrée au Congo. C'est quand les loges ont pris possession. Hey, À vous-même là et à ceux-là. J'aimerais qu'on me dise. Vous n'avez pas assisté au théâtre des pasteurs à Kinshasa Qui s'accusent entre eux Tel ayant été en Inde, tel au Nigeria, tel dans l'océan, tel en Angleterre. Pour des formations Ils se sont dénoncés. Oh, il Oh, il y a Simba qui boy. À quel moment vous avez vu le peuple se lever et dire Eh, hey, finis vos fêtes là-haut Je préfère encore avoir un fils qui vient vers moi. À qui je donne les quitus tel qu'on vient de le faire avec Kiangani de l'église Kimbangiste, lui donner les quitus ancestral pour qu'il aille vers Dieu et parler Dieu ne s'inspire pas ne tombe pas d'un arbre jamais Dieu a toujours des canaux et les premiers canaux chez vous c'est votre père et votre mère papa c'est lui qui vient diaboliser ton père chasse le d'abord il est dangereux. Ta bénédiction c'est d'abord parental, c'est d'abord ancestrale. Et quand tu l'obtiens cette bénédiction, c'est ça qui te couvre et qui te protège partout où tu vas. Vos ancêtres, ma maman n'a kalate nos Ils vous disaient pas que mon moi Vos parents, il y a pas longtemps, ils vous disaient pas que la tête de mon fils ne touche pas. Et vous aujourd'hui, c'est toujours fire, fire, onction. Vos mains-là, vous les prenez d'où Qui a été capable de dénoncer une main qui est magique Qui Mais ils font la fête. Le Congo aujourd'hui, c'est quoi Mais c'est la fête magique. C'est la fête de la magie. Tout ce qui trouve le Congo, c'est la fête de la magie. Mais l'autorité coutumière dit Peuple congolais, calmez-vous. Calmez-vous. Peuple congolais, calmez-vous. Et euh, surtout, ne changez pas de chaîne. Nous sommes arrivés à la première, à la fin de cette première partie. Nous allons enchaîner une deuxième. Vous avez compris que vous avez... Euh, euh, nous ensemble avons été euh, euh, complètement euh, époustouflés par ces révélations qui ont été faites par le grand chef Nfumu Difima qui est également le secrétaire général de tous les grands chefs coutumiers de la République démocratique du Congo. Veuillez... Attendre quelques instants pour euh, la suite de ce programme. Merci chez vous. Code 243, nous voulons vous présenter la deuxième partie de cette émission avec le grand chef Fumu Difima Bols, qui est le secrétaire général de tous les chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Bonsoir. Bonsoir de nouveau. Pour ceux qui ont suivi la première partie, riche en enseignements, riche en révélations, il est important que nous puissions atterrir vers le processus électoral dans lequel nous sommes en, que nous sommes en train de traverser euh, à l'heure actuelle, processus électoral qui, euh, à première vue, euh, est euh, jalonné de beaucoup de violence, beaucoup d'incompréhension. Euh, et pour ce faire, je me tourne vers vous, comme vous l'avez si bien dit, grand chef, quel rôle le pouvoir coutumier, les chefs coutumiers peuvent-ils jouer dans, dans ce choix du prochain responsable de la République démocratique du Congo? Oui, la question est fondamentale. Et la question exige qu'avant que toute personne ne puisse comprendre ce que je veux dire, je vais vous inviter tous à prendre un verre d'eau. Et dans ce verre d'eau, vous allez mettre une plante. Qui est congolaise, une plante qui s'appelle Lembalemba. Lembalemba, ce sont des plantes qu'on donne aux enfants qui ont de la fièvre. Mm -hmm. Lembalemba, ce sont des plantes qu'on donne aux enfants qui sont assoiffés, qu'on donne à des désexciter. C'est comme pour dire prends d'abord un peu d'eau avant de parler, parce que tu es trop monté pour rien. Vous aviez dit processus électoral. Il y a un mot qui sort de là. Processus. Je disais d'où nous venons. Où sommes-nous Où allons-nous Nous sommes dans une maison où il y a une bagarre rangée entre tout le monde. Le papa est là en train d'observer la maman est là. Mais les enfants se bagarrent dans tous les sens. Et la question que le papa se pose Mais quand vous vous bagarrez là, c'est parce que vous voulez tout casser que vous aviez construit ou que vous voulez tout casser, que moi j'ai construit. Vous allez tout casser, certes, vrai, mais vous allez pleurer demain de famine. Et malheureusement, à la fin, on me dira toujours Pardonnez toujours, c'est ton enfant. Oui, je vais pardonner, c'est mon enfant. Mais il y a une dizaine qui mourront déjà de faim parce que les dix jours de repas ont été saccagés peuple congolais. Pour ceux qui lisent la Bible, Moïse a eu la chance de rencontrer Dieu, le Dieu de ses ancêtres. Moïse a eu la chance de bénéficier de son Dieu, un pouvoir pour faire traverser les juifs. Ces juifs qui parlent ici aujourd'hui aux États-Unis, qui font les lobbying. Ces Juifs qui continuent à se battre jusqu'à aujourd'hui avec les Palestiniens, ces Juifs-là ont eu la chance de traverser la mer Rouge par un coup de bâton magique. Malgré ces miracles, les Juifs n'y ont pas cru. Malgré les grands miracles de leur Dieu, de leur faire traverser, de leur donner du pain. Qui savait que le ciel a une boulangerie Vous lisez vos textes bibliques. Ces textes-là vous apprennent que Dieu avait une boulangerie et que chaque matin il faisait tomber un morceau de pain. Et il y avait un ordre. Chacun ne pouvait prendre qu'un seul pain et pas deux. Parce que c'était la traversée du désert. La traversée du désert veut dire la traversée de la période de faim, de famine, de sécheresse. Et l'image qu'on vous donne par ces paraboles, c'est pour dire le petit pain que tu as. C'est pour survivre et arriver à la terre promise. Ils n'ont pas cru en Moïse. Et Moïse, revenant de ses dix commandements en colère, va trouver une fête parce que tout le monde voulait manger, tout le monde voulait des bijoux. Il a cassé ces tablettes qu'il a eues de son Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je le dis très bien, jusqu'à aujourd'hui, Jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où je suis en train de parler, ce peuple juif qui est sorti de l'Égypte n'a jamais retrouvé la terre promise. Jamais. C'est ce qui justifie la bagarre avec les Palestiniens jusqu'à nos jours. Mm -hmm. Deux siècles, trois siècles même, le peuple juif jusqu'à ce jour n'a plus jamais retrouvé la terre promise. Parce qu'il s'est contenté de la fête des bijoux et des anneaux qu'il fallait fabriquer et revenir vers les bêtises de lauge. personne pour ceux qui me suivent les initiés vous avez compris j'ai dit la récréation de la métaphysique a pris fin au Congo et ce n'est même pas au Congo, c'est dans le monde entier nous remettons de l'ordre une fois pour toutes je dis c'est un processus pourquoi j'ai pris cet exemple Les Congos qui sortent d'une bagarre il y a encore à peine quelques années, la bagarre qui a accompagné San City, les Congo qui n'a même pas de budget, qui n'a rien, le peu d'argent qui pouvait servir de construire le pays, a tous été déversé dans les processus de San City. Les 1 plus 4. Quel gouvernement qui a tout bouffé, allant jusqu'à creuser encore, casser encore ce qui ne pouvait même pas être sauvé Le tout, c'est pour aller vers les élections, avoir une constitution de ce pays. Cette constitution qui nous reconnaît, nous, qui reconnaît au peuple congolais les textes de loi que le peuple a voté. La loi mère que les États-Unis appellent la constitution, qui interpelle même un chef de l'État, qui peut déchoir qui dans ces mots Ici, dans ce pays, la constitution. Les Congos viennent d'obtenir une constitution. Pendant qu'on attend de l'intellectuel congolais, l'analyse de la constitution, pendant qu'on attend de nos enfants congolais, du Congo de la diaspora qui se disent les dieux du savoir, on attend de vous l'analyse de la constitution. Aidez maintenant à asseoir cette constitution. Voilà que vous voulez nous ramener la fête au Congo, la récréation. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est là l'interpellation. Que dit la Constitution Il y a encore 4-5 mois. Qui du PPRD Qui dit MLC Qui de l'IDPS Qui de n'importe quel parti politique Mangez tous ensemble. Les débats télévisés étaient suivis. On voyait des gens sortir des débats, on les retrouvait dans des coins, en train de siroter leurs verres, débattre même de ceux qui venaient déjà de parler sur plateau. Ça ne faisait pas de ces gens des ennemis. Et ça, c'est à Kinshasa au Congo. Et il y a une poudrière qui nous sort de l'Europe, la diaspora. La Mouika Anatongo. Ah, je peux tout inventer. Non. Ayez pitié de nos familles là-bas. Mais on les nourrit. N'inventez pas. 4 milliards. Hein? Je veux dire, clairement, vous êtes devant moi. Vous avez une famille de plus de 10 000 personnes. Dites-moi, confirmons que vous nourrissez 10 000 personnes. Arrêtons ça. Vous contribuez. Oui. J'insiste. Mm -hmm. Il y a une différence entre contribuer dans la communauté et dire je suis l'assiette de la communauté. Quand on se donne cet attribut, alors on croit tous se permettre. On prend même ses parents pour des petits-enfants. On prend même ses grands-parents pour des petits-enfants. Parce qu'on dit, c'est moi maintenant. Yonani, pas comme poto, mais on peut te prendre là. Le matin, tu rentres. Tu seras encore celui qui parlait Non. Je dis, et ceux qu qui sont acquis Et ceux qui sont ici, tous sont des enfants. Mais nous interpellons. Le pas décisif que le Congo a fait. C'était pour avoir une constitution sur laquelle on commence à travailler. Mais vous, mais... Ce n'est pas interdit d'avoir une information. Donc, chef, excusez-moi de vous interrompre. Euh, ne sortez pas de votre, de, de, de votre lignée. Il y, y, y a un problème. Il le... y a eu un manque d'information. Aujourd'hui. Il n'y a pas eu manque d'information. Laissez-moi vous relater un fait que vous ignorez. Mm -hmm. Je veux remémorer les peuples congolais, ceux d'Europe. Et je vais aller pratiquement maintenant tout droit. Versé du MLC et de l'IDPS. Après San City, un coup a été monté contre Tshisekedi. N'est-ce pas qu'il était un des vice-présidents? Effectivement, c'était sa stratégie à lui de dire moi ou rien. Les autres disaient non, il faut aller au vote. Et finalement, c'est Zaïd Ningoma qui passe. Quelle a été la position d'Etienne Tshisekedi? Il a pris son avion. Il est parti à Paris. Il prend ses soins, il dort tranquille et il dit bonne chance au Congo. Pendant qu'il est à Paris, nous sommes vers 2008, le président actuel, Joseph Kabila, n'a-t-il pas pris contact avec les DPS pour une contribution collective de tout le monde? À Kinshasa, on n'avait pas parlé de Félix Tshisekedi comme ministre, qui était déjà proposé, et même en contact avec lui, Michel, à Bruxelles. Qui ne le sait pas Était-il ennemi Ce était pas des ennemis. Ne transfigurons pas les choses. Nous arrivons en 2009. La Commission électorale nationale, Commission électorale indépendante, CI, dont je faisais partie, est appelée à disparaître pour laisser la place à la CENI. Une nouvelle composition pour une nouvelle élection. Sur les 21 membres, non, la CENI ne prend que sept personnes. Les sept délégués. Ce sont sept délégués des partis politiques, des composantes politiques. La loi sort, on dit la majorité prend cinq postes, l'opposition 2 postes. Les deux postes de l'opposition. Mais qui faisait l'opposition L'opposition parlementaire. MLC. MLC oui. Le Roger avec le Sanga Bonganga, tout ce là, avec les Sangabonganga, tous ces groupes là, c'était ça. Maintenant, le corps de l'opposition. Et pourquoi n'avoir pas intégré l'opposition aussi euh, J'avance. Ex extra, extra. Mais extra voilà, ce souci a été posé. Vous ne faites pas voter, hein au Non. Passage. Je dis ceci mm -hmm. l'opposition a eu deux postes. Le cinq sont restés à la majorité. Mm -hmm. François Mouamba. Roger Lumbala. Tout le monde. Jusqu'à Oscar Kachala. Ils ont tous fait Paris. Chez qui de droit Ouamou Lumba. Pour quel objectif Lui demander de les aider à obtenir un poste pour l'opposition extra-parlementaire, dans l'IDPS. Il faut revenir au fait. Il faut pas que vous ayez des mémoires effacées. Mm -hmm. Et dans ces combats, l'IDPES était appelé à obtenir ce troisième poste pour lui, inviter ses militants à s'enrôler, tu sais qu'il avait fait par média. Il a autorisé à ses fidèles, tous d'aller s'enrôler. Et il ne restait plus qu'à aligner les militants derrière les candidats aux élections qui étaient Kamere ou Jean-Pierre Bemba. Point. Il ne faut pas oublier ça. Oui, mais est-ce que, est que le pouvoir, pas. Les, les bureaux étaient-ils ouverts comme précis Parce que là, on remonte une si, si, si. de l'histoire. Non, c'est l'histoire qui fait le présent. Nous mm -hmm. ne devons pas fuir l'histoire. C'est quand on fuit l'histoire, c'est quand on le distrait dans l'histoire, que les gens font leur coup. Non. Tu sais, n'était pas préparé aux élections. Tu sais, s'attendait à son poste. Et à ce poste, il a été proposé les fils. De Chisekedi. Effectivement, ça a créé une fissure au sein de l'IDPS où tu avais d'un côté les Moukendi et l'homme le... du sud, sud que vous ici, les Moubake, qui eux disaient non, l'affaire n'est pas une affaire euh, euh, familiale, il faut qu'on en parle. Et dans cette brouille, il y avait deux, deux candidats de l'IDPS qui devaient passer. C'était au Parlement, c'était à la télé, c'est tout. C'était reportage en direct. Mais dans la diaspora, je vous l'ai dit, nous, on n'a pas ces informations. J'avance. Vous nous privez de tout. C'est pourquoi vote. je vous informe. Vous nous privez de tout. J'informe. Mm -hmm. J'étais en train de dire qu'on est en train de vous distraire. Maintenant, où est passé le problème Kabila lâche le troisième poste. La majorité reste sur quatre. L'opposition va sur trois. On dit, qui va partager les postes Mais c'est l'opposition. Mais quelle opposition C'est l'opposition parlementaire qui doit donner à l'opposition extra-parlementaire. Ça rentre, le MLC, qui est la première force de l'opposition parlementaire, prend son poste. Il en reste deux. deux. Ah, il faut donner à l'IDPS. Je vois François Mouamba en train d'insister. Il faut donner les postes à l'IDPS. Nous avions promis. Vous là, vous êtes des chaînes de télévision. Appelez François Mouamba. Appelez Roger Lumbala, appelez Lissanga Bunganga, posez-leur la question. Quelle réponse avez-vous donné? Les corbeaux et les renards. Mettre le sur un arbre, percher le son bec, un fromage. Et mettre le renard par l'odeur, aller chez lui, tiens, peu presser la gage. Oh, bonjour monsieur le corbeau, que vous êtes beau. Et autour de ce mot d'amour, les corbeaux ouvre sa bouche. Et le fromage tombe. Mm -hmm. Le renard s'en saisit et dit Si tu es fort, descends. Et on dit Tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Mm -hmm. tu sais dit est tombé dans les pièges des renards qui ont dit On ne lui donne plus ses postes. Il n'avait qu'à être aux élections. Et ses postes a été donnés à un des petits frères, un des neveux des gens que j'ai cités Vous êtes de la presse, fouillez-le. Nous le savons. Mais c'est connu. Mais est-ce que ce. La soit... réponse était tu étais déjà mort. D'ailleurs, il est mourant, il va faire quoi mais... L'UDPS n'avait qu'à être là. Le même Non, soyons sérieux. Non mais bon. Les mêmes qui ont refusé les postes statistiques. Parce que, que là, dit. les gens de l'UDPS qui nous suivent. Je le dis, ils le suivent, ils le savent. Ils qui nous suivent, ils vont... le savent. Je vais vous accorder votre, votre droit. Regardez-moi bien. Après cette émission, appelez-moi vous allez avoir droit de vous asseoir. Et au passage, je rappelle. Par deux fois, le président Tshisekedi venu aux États-Unis. J'ai fait la demande pour le recevoir. Euh, malheureusement, pour des raisons qui ont été propres à lui, il n'est pas venu. Mais j'espère que dans un avenir tout proche, il pourra euh, lui-même venir euh, sur nos plateaux ou bien nous irons vers lui afin qu'il s'exprime. Mais Je suis en train de parler des vrais. Mm -hmm. Je veux bien que les gens réagissent en disant Qu'est-ce qu'il veut inventer Non. Je suis un grand chef. Je ne sors de ma bouche. Que ce qui est vrai, parce que je vais faire raisonner tout le monde. Je vais faire comprendre à tous les Congolais que nous ne sommes plus en recul. Nous devons avancer, et pour avancer, nous devons équilibrer l'histoire. Parce que ceux qui considéraient que tu était mort, qui l'ont approché pour prendre le fromage, pour arracher le troisième poste à Kabila, mais dès qu'ils l'ont obtenu par l'appui de Tshisekedi, ils ont déclaré Tshisekedi mort. Et le retour de Tshisekedi tu aujourd'hui, c'est une réponse à ces mêmes mondes-là. Mais c'est ces mêmes monde qui fait sa pub. Ah, ça c'est dangereux. Non, ça ça devient dangereux. Quand les pyromanes rejoignent les sapeurs-pompiers, ils deviennent dangereux. Faisons attention. Processus électoral. C'est quoi les élections Les élections c'est un moment où chacun vient remettre son mandat en cause et expliquer ce qu'il a fait. Et aux autres, de démonter ce qu'il n'a pas fait. Exactement. Dans un débat démocratique. Le Congo, d'un plus cas d'injure, ça n'a plus de place. C'est pourquoi les chefs coutumiers ont dit Nous nous sommes rendus compte que ces gens de Kinshasa, tous ces politiciens qui bouffaient entre eux ici à l'aise, qui faisaient leur politique à l'aise, qui commençaient à avancer parce que les Congo avancent. Les textes de loi, c'est chaque. On pompe, on corrige. Les États-Unis ils sont au quantième retouche de la Constitution. La France. Mais nous ne devons pas nous sentir exceptionnels. La Belgique, trois ans. Deux ans, mais trois ans. Nous, là, on change sans gouvernement. La... On change sur l'argent. On ah, ne change pas sur, euh, sur des bonnes valeurs. Excusez-moi, messieurs les je députés. Vais, mais, je, euh, vais, je vais. Vous vous à... laissez corrompre, pagero ou voiture, non. pour changer de constitution. Je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas d'accord Je vous le prouverai. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. J'étais toujours en train de dire qu'il faut lire le texte. Mm -hmm. Quand un député vient proposer un amendement, il faut entrer dans la profondeur du texte. Il cherche quoi Qu'est-ce qu qui est positif Qu'est-ce qui est négatif Prenons les positifs, enlèvons les négatifs. Il ne faut pas dire, quand les députés qui les proposent de l'opposition, donc hors de question. Quand c'est de la majorité, ah donc c'est donc Kabila. Alors nous n'aurons plus rien dans ce pays. C'est là où je dis l'interpellation d'un intellectuel. Il y a une différence entre un intellectuel et un lettré. Oui. On a étudié, on s'est baladé. Mais on reste un lettré qui est différent de l'illettré. Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui va par analyse. Qui analyse, qui ressort des considérations et qui sort un produit qu'il va proposer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'intellectuel congolais a échoué 50 ans, le, le Congo les grandes villes... L'intellectuel congolais, l'eau, je disais qu'il n'y a pas d'eau dans les grandes villes. Les Congolais, vous sont, pas encore, les congolais sont encore des lettrés. Merci. Je l'ai encore dit. Mm -hmm. Je dis, l'intellectuel n'est pas lié à l'écriture. J'insiste. L'intellectuel n'est pas lié à l'écriture. Mm -hmm. On peut être docteur en lettres en français et être nul en écriture arabe. Mm -hmm. Donc l'intellectuel n'est pas lié à l'écriture. L'intellectuel est lié à la culture. Mm -hmm. Et la culture égale identité de l'homme. L'identité, c'est l'âme de la personne. Et l'âme, c'est l'intelligence de l'homme. Et l'intelligence, c'est la création. C'est l'inspiration. On vous dit, il est inspiré. Unikine, colline inspirée. Qu'est-ce que vous appelez inspiration Nous voulons ramener les Congolais vers l'inspiration. Parce que pour l'instant, et vous tous, et les Congos, c'est l'équivalent d'une toilette traditionnel, que vous venez regarder, vous avez tous vu ces toilettes. Quand vous venez pour vous faire votre petit là, besoin, vous regardez là-dedans et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des saletés là avec des... des comment on appelle ça encore? Je <laughs> pas le terme. Les Ntunga, hein, qui Congo, les, mm -hmm. je ne sais les, ces bestioles ces là qui nagent, hein. pium, 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 ils sont contents. Ils se font même des chutes. Dans tous les sens. Mais vous qui regardez, vous dites, eh, c'est une saleté. Nous voulons sortir les gens de là. Et pour les sortir de là, il y a ces processus. Mais c'est un processus qui est très, très sensible, qu'il faut bien gérer. Jusque, Sans tension. Mais jusque quand calmement. La Constitution vous donne cinq ans de mandat. La Constitution vous donne un mois de campagne pour le renouvellement, qui est limité à une fois ou pour un stop, selon que vous allez défendre votre projet. La Constitution, dans sa procédure, dit que c'est une procédure. Ce n'est pas une bagarre. Ce n'est pas une occasion. Il faut suivre le texte. Si celui-ci a démarré et qu'il peut mieux faire, donc s'il est convaincant, c'est le peuple qui va se décider. Il y a un deuxième mandat. Une question, madame. Je sais au moins que c'est la fin. S'il vous plaît, une Donc, question. Je peux me préparer. Une... C'est pourquoi les coutumiers ont dit ceci. Mm -hmm. Avec le pouvoir traditionnel qui revient au pays, avec la conscience qui a obtenue, les plus grands combats que nous, nous avons actuellement, c'est les combats métaphysiques. Mais, Parce mais... que pendant que je vous parle, autant de loges et de magies ont atterri à Kinshasa. Mais rassurez-vous, mm -hmm. ça ne fera rien du tout. Euh... Euh, pour ceux qui nous rejoignent, le grand chef Fumou, vous voyez que c'est un bon débat parce qu'il est important que nous puissions comprendre et entrer en profondeur sur la problématique de la RDC. Euh, grand chef, nous vous avons vu récemment ici euh, recevoir un des candidats, le président en fonction. S'il est établi que vous voulez voir la réhabilitation de vos droits en RDC, ne croyez-vous pas qu'il serait de bon à loi et juste, si vous avez vu le président sortant, de convoquer également les futurs, les postulants qui se disent « Nous allons le remplacer pour telle ou telle raison », de manière à ce que vous puissiez entendre, les entendre, connaître leurs aspirations individuellement et ne pas être taxé aujourd'hui d'avoir un parti pris. Parce que pour beaucoup, on vous a vu avec un des chefs, on aurait voulu que vous puissiez avoir tous les candidats et leur dire, euh, Vous nous raison pas de poser cette un Je vais d'abord c'est tolingi que nous tolingi pas un et c'était le chef un de poser c'est question. Je vais d'abord vous dire que nous avions pas reçu un de du Congo, okay. le chef de l'État de tous les Congolais et même de tous les candidats. Il faut pas confondre cela. La Constitution de la République démocratique du Congo vous définit cinq institutions. Okay. L'institution numéro un s'appelle le président de la République. Mm -hmm. Il est non seulement chef de l'État, mais il est première institution du pays, mm -hmm. avec le devoir de veiller à la Constitution et à son application, à l'équilibre des institutions. La deuxième institution, c'est le Parlement. La troisième, c'est l'exécutif, le gouvernement. Mmh, okay. Quatrième, c'est le cours et tribunaux. Mmh. Et la cinquième, nouvellement établie, c'est l'autorité coutumière. Okay. C'est ce que les gens n'ont pas. Quand le président va vers l'Assemblée nationale, il va vers l'institution, pas vers les députés. C'est les mêmes équivalences. Mais ce que je veux rajouter ici, c'est quoi? La, le programme entre l'autorité coutumière et les chefs de l'État ne vient pas à cette dernière rencontre. Celle-là, c'est la troisième conférence annuelle. Un système a été établi depuis son investiture. Nous avions la première conférence avant son investiture, c'était en avril 2006, avant même les élections. La deuxième conférence s'est tenue en 2009. Première conférence, c'était à Matadi. La deuxième, c'était à Lubumbashi. La troisième vient se tenir à Kikwit. Ça n'a rien du processus électoral. Mais c'est comme ça que Mais perçu, ça, vous comprenez. C'est ce que peu. je dis. C'est pourquoi mmh. je profite de vous parler de ça. ça avoir de l'évaluation de la marche du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'investiture du président de la République, il y a l'investiture coutumière qui vient de s'ajouter, qui s'est fait en 2006. Tel que nous avions fait avec Mobutu. C'est tel qu'on a fait avec lui. Nous osons seulement espérer et croire qu'il ne va pas tomber dans le piège de Mobutu. Et pourquoi ça me rassure d'ailleurs Parce qu'au moins la constitution a défini deux mandats. Personne ne peut y échapper. Mais ce que vous pouvez leur dire, le piège de Mobutu, c'est... Le piège de Mobutu, c'est qu'il est sorti de la constitution. Il a sorti. Tout le monde l'a dit. Topesaki, c'est un anamobutu. Tobakisi, c'est un Mobutu. Ah oui, c'est cette phrase qui a tué le pays. On le sort du mandat, on lui donne 100 ans. Pendant qu'il a déjà neutralisé les coutumiers. Donc vous êtes aussi. Vous êtes, vous êtes, vous êtes neutralisable. Moi, Nanayo, tel que tu es là, je te dis. Dis-moi un peu. Nous sommes avec toi ici. Ta femme dit non, il va faire son shopping. Tu vas lui refuser ta voiture. Mm -hmm. Mais tu apprends que non, moi si tu ne de a faire un voyou à quoi, tu as vu, tu as vu, tu as tu as vu, tu as tu vas tuer Et quand c'est tu tu fils. tu attendras vu, notre ancestral, nes tu pas Puni, mais ramène l'enfant. L'écoute et attend le pardon de l'enfant. J'insiste. Mobutu a voulu revenir vers le chef. C'était trop tard. Trop tard. Et nous disons que nous ne voyons pas Kabila en train de sortir de ça. Mais nous disons, au moins, nous sommes dans un processus qui tend à sa fin et qui peut nous permettre de ramener l'ancestral congolais. Je dis. La remise et reprise culturelle n'a jamais été faite. J'ai donné un exemple simple ici. Congolais aussi intellectuels que nous sommes, nous défendons le droit de l'homme, nous défendons les institutions, le monde planétaire. Nous sommes incapables de vendiquer la dent de Lumumba. Qui peut expliquer ça Nous parlons ici. Les gens qui suivent, les tételles vont s'y prendre. Les ah oui, mais c'est vrai, cette histoire. Les fils Lumumba, la famille Lumumba, ils sont fatigués. Personne n'appuie parce que les gens sont dans l'hypnose et cette hypnose, elle est métaphysique. Notre combat est l'équivalent de cette image que je vais vous donner ici. À Kinshasa, si ma fille déconne, je lui donne une fessée. Pourquoi les gens tapaient-ils aux fesses Parce qu'il sait qu'autant de fouets qu'il va donner, ça ne va pas gonfler, mais ça va éduquer l'enfant. Parce que l'éducation est maternelle. La langue. Elle est toujours maternelle. Elle n'a jamais été paternelle. Exactement. Maternelle. Mm -hmm. La langue est toujours maternelle, c'est lié au sein. La fessée, c'est maternelle. Mais les droits de l'enfant. Non, il ne faut pas toucher la fessée. D'ailleurs, mais cette liberté que vous avez donnée aux enfants ici, ils ont du difficile à rattraper quand ils sont grandis. Hein? Ça les rattrape. Hein? Exactement. C'est pour dire que dans notre propre culture, vous allez oublier après pour dire Ah oui, ça va s'effacer. J'ai dit Non. On veut que vous sortez de cette hypnose. Oh, ben, il la qui dit Bah. Les gens sont restés sur des futilités. On les balance. Il faut les sortir de là. Ils vont dire Ah, mais il est vrai que la dent de le monde est toujours ici. Mais on va toujours nous empêcher de vous sortir de cette, de cette histoire. J'ai dit C'est l'image ici de vos enfants à qui on va pomper de la drogue, à qui on va pomper de la boisson. Pour les rendre somnolents, parce qu'ils savent que tout ce que vous allez leur dire, ils vont pas écouter, ça ne leur fera rien du tout. Mais que dites-vous? De la même manière que la politique en Afrique, mm -hmm. la politique en Afrique, la politique dans le tiers monde, c'est protégé par des valeurs de lobbying économique. Et quand vous voulez sortir de là, mais tous les mécanismes sont mis pour vous neutraliser. Mais tous ces mécanismes qui sont mis pour neutraliser, ils sont mis comment? Vous pensez qu'on vous envoie de la drogue ou de la boisson? Non. Ce n'est pas la métaphysique. D'où nous disons, quand nous tirons l'alerte, quand nous sommes dit maintenant que la condition reconnaît ce pouvoir, nous allons l'appliquer. Nous allons l'appliquer. Et nous disons à tous nos enfants calmez-vous, rentrez au Bercail. Un jour, quoi qu'il en soit, vous rentrerez au pays. Il ne faut pas que ça soit tard. Mais donnez-nous les conditions. Euh, euh, vous, vous savez, je j'arpente. Je, 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 je veux dire avec à tous les Congolais, amis. il n'y a aucun Congolais oui. en Europe ou ici qui n'a pas son chef coutumier. Okay. Appelez votre chef coutumier et dites-lui Je veux rentrer. Et dites-moi qu'il va vous dire Ne venez pas parce que si les maïs ne poussent pas. Faux. Les premières conditions nous... d'un développement, oui. c'est d'abord votre entité coutumière. Et vous avez tous fui vos entités coutumières. Vous êtes resté figé sur Kinshasa comme ça. Alors que vous avez même neutralisé l'autorité coutumière, les autochtones de Kinshasa, parce qu'il ne faut plus en parler. Tout le monde dit Moi, je suis né là-dedans, Kinshasa, c'est à nous. Non. Kinshasa s'appelle ville. oui. ville-province. Mm -hmm. Si la ville appartient à tous ceux qui sont nés là-bas, la province appartient aux autochtones. Exactement. Donc, en se battant d'abord, en faisant avancer la constitution avec ces éléments, pour avoir des textes qui vont permettre d'asseoir toutes les provinces, prenez cela pour chaque province. Ce qui est arrivé à Kinshasa, peut arriver à Mbujimai, peut arriver à Kananga, peut arriver à Matadi, où les gens pleurent parce qu'ils n'ont plus rien. En sécurisant l'autorité coutumière, on remet la valeur, et vous allez sentir que la valeur humaine, ancestrale, dès qu'il est remis en place, les choses avancent et prennent du corps. C'est pourquoi je veux dire qu'on puisse tout simplement suivre calmement le développement du pays. Et on comprendra qu'il y a de ces histoires. Qui ne servent à rien de le réveiller. Je vais vous dire que l'image qui est très solide, c'est l'image de la plaie. La plaie, quand elle est cicatrisée, il faut faire très attention. Très attention. Pour un rien. Ça éclate et ça pète encore deux fois, jusqu'à même à faire couper une jambe. On n'a plus besoin de ça. C'est très dangereux. Nous sommes à un point d'une souffrance que les peuples subie, qu'à peine le peuple congolais, le congo aujourd'hui, que ce soit avec son c ou avec son esprit qui est le k » le congo, dont je parle ici, vous rappelle une chose, est très important. le congo est aujourd'hui l'équivalent d'un homme cancéreux dont le corps a déjà été déchiqueté, bousculé, couché, et à qui on vient de donner une chance de thérapie. À peine qu'il commence à suivre sa kiné, sa kinéthérapie thérapie pour reprendre la marche, dès que vous criez autour, et que les types trébuchent. S'il avait 5 ans de kiné, c'est parti pour 20 ans de kiné, et peut-être pour ne plus servir. Vraiment, c'est l'autorité coutumière. Je sais que autant d'esprits ont parlé, mais quand je viens de parler, j'ose croire que tout esprit des États-Unis ou de l'Europe, tout ce qui peut tourner autour de nos peuples, qu'on puisse le faire taire à jamais. Parce que le Congo de demain, c'est le Congo de l'espoir du monde. Les Congos de Kimbango, les Congos de Lumumba, les Congos de Kimbavita, les Congos des ancêtres, ces Congos de chefs coutumiers. Nous sommes des chefs coutumiers, pas parce que nous avons voulu l'être. Nous sommes des chefs coutumiers parce que ceux qui nous ont laissés, ceux qui nous ont donné cette descendance, nous ont donné ce souci de la survie de nos populations. Aujourd'hui, nous parlons leur nom. Nous avons le devoir de vous accompagner dans la recherche de la stabilité de ce pays, dans le retour du Congo. Le Congo qui, dans 20 ans, sera le seul pays qui va nourrir le monde entier en eau potable. Le Congo qui, dans 20 ans, sera le seul pays qui va donner de l'oxygène dans ce monde. Le Congo, dans 20 ans, sera l'équivalent des États-Unis. C'était le mot de la fin. Vous avez vu combien cela a été pour nous et pour vous, je l'espère, une émission révélatrice, une émission avec une grande portée spirituelle. Aux initiés, aux non-initiés, nous vous demandons de bien l'écouter, de bien l'analyser, afin que nous puissions mettre ce que nous avons appris ensemble, débattu ce soir, en pratique. Pour voir un meilleur Congo qui jouerait son grand rôle dans le concert des nations. Encore une fois, Code 243 a été heureux ou heureuse de vous présenter ce soir ce programme. Pour toutes vos critiques, pour toutes vos réactions, nous vous demandons, s'il vous plaît, de pouvoir nous les faire parvenir au travers de notre website ou encore par voie d'email. Pour ceux qui veulent réagir à cette émission, je parle de certains groupes ou partis politiques qui ont été cités, veuillez s'il vous plaît euh, vous le faire nous le signifier en appelant directement sur le numéro qui va apparaître au bas de l'écran ou encore en nous contactant via notre boîte email. A tous ceux qui nous suivent à partir de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, code 243, vous dit merci et vous promet encore une fois, une qualité de nos programmes pour les émissions futures. Bonsoir chez vous. Chef, merci d'être venu. Maton Domingue Bandeko, Merci.